Là, on entend parler du Parti libéral, du PQ, de la CAQ, Québec solidaire un peu, mais le Parti conservateur du Québec, lui, qu'est-ce qui se passe avec ça? On parle à son chef, Adrien Pouliot. Allô, Adrien. Bon matin, Dominique. Comment ça va? Ça va très bien. On est en train de préparer notre congrès qui va avoir lieu à Québec le 19 et 20 octobre. Alors, on est dans une partie, un moment fébrile là, pour le parti. Quelles sont vos attentes, Adrien Pouliot? Parce qu'il peut y avoir des élections, dans le fond, en décembre. Êtes-vous prêt à aller voir des candidats dans tous les comtés? Puis quelles sont surtout vos attentes? Bon, d'abord, on va annoncer une première cuvée de candidats potentiels au Congrès. On va avoir une trentaine de personnes déjà. Quand j'étais à Québec la semaine dernière pour la tournée de la commission politique, j'ai rencontré des candidats. Et des candidats de qualité, je dois dire, j'ai été bien content de voir des gens sérieux, des gens qui sont en affaires. Faut vérifier les CV, là, Adrien, là, pas se retrouver avec du monde qui croise aux coupes volantes, là. Ça va rebondir des médias, vous allez avoir fou, là. Non, c'est des gens qui sont sérieux. Alors ça, c'est bon. Écoute, nos attentes sont, on est réaliste, là. Ce qu'on veut d'abord, nous, c'est porter à l'Assemblée nationale la voix de la classe moyenne, des gens qui sont écrasés par les taxes, les impôts, les gens qui écoutent Radio X et qui disent qu'on s'en va pas dans la bonne direction. On s'en va pas dans la bonne direction. Puis deux, les solutions que ce soit le PQ ou que ce soit les libéraux, que ce soit la CAQ, c'est toujours les mêmes solutions, la même vieille recette. On change de chef de temps en temps, mais on a toujours le même livre de recettes qui donne toujours la même sauce qui goûte mauvais. Alors, il faut changer le livre de recettes, c'est ça qu'il faut faire au Québec. Allez-vous cibler des comtés? Allez-vous cibler des comtés? Parce que là, moi, ce que je veux pas, c'est que vous downiez suite à l'élection. Tu sais, si vous avez des espoirs d'aller vous chercher 3-4 comtés, là, moi, je veux pas vous ramassez à petite cuillère au lendemain des élections. Faut bâtir ça lentement. Si j'écoutais quelqu'un qui va peut-être se présenter pour vous autres, là, puis moi, j'adore votre programme, vous avez des bonnes idées, mais si vous avez dans la tête d'aller chercher 4-5 comtés, là, je vais vous dire tout de suite, là, il y a du monde qui prenne du bon pote en maudit, là, pour penser ça, là. Non, il faut être réaliste. Il faut bâtir exact. Ça brique par brique. Exact. Il faut bâtir une structure solide, une fondation solide. Moi, j'ai toujours dit que c'était un marathon. Oui. Je m'embarque là-dedans pour un marathon, c'est pas pour un sprint. Il y a un travail d'éducation à faire qui est fait, entre autres, par Radio X, par des commentateurs qu'on voit de plus en plus, des commentateurs que j'appellerais de droite, là, qu'on voit à Montréal et à Québec, hein, à Éric Duhem, par exemple, qui passe à Radio X à Montréal, des gens comme ça. Mais ça prend du temps. L'Institut économique de Montréal, Dominique, quand j'ai cofondé ça à la fin des années 90, je m'attendais pas à un succès instantané. La première année, on s'est fait traiter de tous les noms, traître à la nation parce que tu veux reviser le modèle québécois, t'es pas un vrai Québécois. Bon, tu sais, je les ai tout entendus. Mais 10, 15 ans plus tard, c'est un des instituts les plus productifs. On a 4000 parutions ou mentions médiatiques par année. Alors, c'est un gros succès, mais il faut bâtir ça sur... L'important, là, c'est d'avoir des valeurs puis une boussole claire. Il faut que tu aies une boussole, puis il faut pas que tu te fasses déboussoler par les sondages ou par les stratégies politiques. Très bon, j'aime ça ce que j'entends. Puis, honnêtement, avoir une boussole, des fois, c'est un désavantage. C'est peut-être pas une très bonne stratégie. Ben, c'est parce que tu pognes une route de gravel, des fois, de rien. Parce que tu vas faire du monde. Il y a du monde qui viendront pas avec toi parce que tu as une certaine boussole. Mais ça, il faut accepter ça. Tu sais, je veux dire, si tu vires à gauche puis si tu vires à droite, non, non, non. Virage, ça prend une colonne. Ça prend une colonne vertébrale. C'est ça. On s'en va là. Ça se peut qu'on prenne, puis pas ça se peut. Vous allez passer un maudit bout de gravel. Là. Tu sais, aux prochaines élections, Adrien, puis tu le sais, là, t'es un gars intelligent, talent business longtemps. Vous n'aurez pas de député là. Puis je veux pas faire de peine à personne un matin. Moi, ça me tente pas de faire de la peine au monde. Mais c'est pas grave que vous n'ayez pas de député. L'important, c'est de bâtir ça, d'aller vous chercher une base, une organisation, et ensuite que vous ayez cherché une crédibilité. Parce que on dira ce qu'on voudra, là, le leader avant toi, là, on n'était pas trop certain, là. Non, c'est sûr. Je me suis embarqué là-dedans pendant que... Ben, c'est ça. C'est la crédibilité qu'il faut aller chercher, se crédibiliser. Si tu peux aller te chercher une place dans un débat à Québec ou dans le coin de Montréal, c'est... De crédibiliser mais moi, je le bien, discours. Par contre, je voudrais bien être... Moi, je voudrais bien élu député, là. Ça serait non, je comprends. Pour moi. Mais ça va être difficile. Ça va-tu marcher? Je le sais pas. Quand on se fait trop d'attentes, tu sais, ça, là, c'est après 3-4 dates, le gars, il pense qu'il va sortir avec la fille. Mais ça se peut qu'il soit obligé d'aller au resto pendant encore une douzaine de fois, là. Tu comprends-tu avant de la frencher? Ben... Tu comprends-tu? Le French n'est pas au premier souper, là.
Mais si on est capable d'aller chercher des votes, tu sais, puis attirer, commencer à attirer l'attention, démontrer qu'on est crédible, qu'on est sérieux, démontrer qu'on a une organisation qui est solide, démontrer qu'on apporte des solutions qui sont différentes, mais qui sont, tu sais, on réinvente pas la roue. Là. Nous autres, on se fie sur ce qui se passe en Europe, on regarde la Scandinavie, pas la Suède des années 90 qui était socialiste, mais la Suède qui a fait faillite, puis qui s'est toute restructurée, puis qui a tout changé son modèle socialiste pour devenir beaucoup plus à droite que nos gauchistes nous le laissent croire. T'sais, alors, on a des solutions qui sont, je pense, réalistes, oui, pratiques, mais il y a un cynisme, il faut qu'on passe à travers une espèce de cynisme. Les gens disent, ben, tu sais, les gauchistes ont tellement réussi à nous faire croire qu'on n'est pas bon au Québec, qu'on est un petit peuple, puis qu'on a toujours besoin de se faire accompagner, j'aime ça ce mot-là, se faire accompagner par le gouvernement, par les Ouais, la solution passe toujours par l'État, là. Tout, c'est le gouvernement, on n'est pas capable de vivre tout seul, il faut que le gouvernement nous dise où investir, quelles sont nos valeurs. C'est un réflexe de minorité, ça, Régain, là. C'est un réflexe de minorité, là. C'est ça, et moi, ça me brûle, parce que je pense que les Québécois, au contraire, sont des gens qui sont débrouillards, qui sont créatifs, qui peuvent très bien se débrouiller sans avoir tout le temps le gouvernement à côté d'eux pour leur dire quoi faire. Mais moi, alors, des gens qui sont des gens que j'appellerais de droite... Économique, là, il y a David sur live qui dit, garde, si toi, là, ton discours, c'est essentiellement économique. Amène pas du monde avec une droite, je le sais que tu le feras pas, mais lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est commence pas à amener du monde avec une droite religieuse puis une droite sociale. Ça intéresse pas le monde. Quand je parle de droite, Dominique, ce que je veux dire, c'est moins d'État. Exact. T'sais, la gauche, ils veulent plus d'État parce qu'ils pensent que nous, les Québécois, on est un petit peuple qui sont pas capables de marcher tout seul. Il faut toujours se faire tenir la main. Puis les gens de droite, comme moi, on pense, ou au contraire, que les Québécois sont assez intelligents, puis débrouillards, puis créatifs pour être capables de marcher tout seul. Ah, c'est ça pour moi, la gauche puis la droite. Mais tu comprends que ça va pas de soi pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui associent encore la droite à l'avortement, tu sais, ces questions morales-là, là. Absolument, puis c'est ça qui est pas correct. Moi, je veux pas que l'État utilise son pouvoir coercitif pour imposer des choses, que ce soit au niveau social ou au niveau économique. T'sais, c'est la liberté, finalement, des individus, puis la responsabilité des citoyens, et c'est à eux à décider avec qui ils veulent sortir, puis avec qui ils veulent vivre leur vie, puis c'est à eux à décider où investir, puis comment, où travailler. Alors, pour moi, c'est la liberté. J'ai jamais compris comment est-ce que des gens peuvent d'un côté dire on est pour la liberté économique, puis d'autre part pour dire on va vous dire avec qui vous devez vivre votre vie, puis comment vous devez vivre votre vie, tu sais, avec un homme ou une femme. Pour moi, ça fait pas de sens. C'est la liberté qui compte et la responsabilité des citoyens, puis une économie de marché, pas une économie socialisée déterminée par les bureaucrates, avec un rôle bien défini pour l'État. Oui, l'État a un rôle à jouer, c'est bien important, mais un rôle, besoin d'être partout, là, dans nos shorts, partout, puis de dépenser 85 milliards de dollars par année, puis qu'on soit obligé de travailler jusqu'au 21 juin au Québec pour faire survivre, pour que l'État puisse fonctionner. Tu sais, on travaille, on est imposé, la classe moyenne au Québec, on est imposé à peu près à 47% quand tu comptes pas seulement l'impôt sur le revenu, mais toutes les taxes, là, la TPS, TVQ, la taxe sur l'essence, la taxe sur ci, la taxe sur ça. Non, c'était le velcro. Ah, c'est ça. C'était le velcro. Oui, on a besoin d'un État qui a de l'allure, mais il faudrait qu'il soit plus petit. Ton congrès, il est où, Adrien? Alors, c'est au Québec Inn. Ça, c'est le congrès du Québec. Vous faites ça à Québec, c'est le premier. Oui, on fait ça à Québec parce que c'est un terrain fertile. Tu sais, je pense qu'à Québec, il y a une culture qui est plus ouverte aux gens. Vous faites ça au Québec Inn? Oui. Donc, moi, j'en connais beaucoup qui se tenaient au Québec Inn, là. Les fameux 5 à 7, j'en connais. Je connais même des politiciens qui sont pas nécessairement dans ton parti qui se tenaient là. Ils ramassaient le filet désert à 2h15 du matin. Là. Il y avait des MILF qui se tenaient là, des madames, des belles madames. Mais vous autres, c'est un congrès sérieux. C'est au Québec Inn. Ça se passe quand? Là, je vais inviter les gens à y aller. 19 et 20 octobre. Alors, donc, on va avoir des conférenciers qui vont nous parler de où se situe la droite, ou quel est l'état de santé de la droite au Québec. Puis vous allez être surpris de voir qu'il y a plus de gens qu'on pense qui sont de droite, oui, qui sont des gens qui sont des, entre guillemets, des conservateurs fiscaux. On va avoir le docteur Lacroix et on va avoir tout un panel sur ah la oui, santé. Marc Lacroix est là-dedans? Moi je l'adore, ce gars-là. Il est-tu bon, Marc Lacroix? Marc Lacroix, ouais, avec son réseau de cliniques privées, ça a commencé tout petit, cette affaire-là. C'est devenu l'un des plus gros entrepreneurs en santé au Québec.
Ouais, le plan personnel. Avec qui j'ai soupé, que j'ai trouvé extraordinaire. Es-tu bon, lui? Puis, il va-tu se lancer? Ah oui, je veux un scoop. Il se lance candidat, hein? Il para bien en plus. Je sais pas si c'est un candidat, mais c'est un type qui a c'est un type qui a bien de l'allure. Québec, et qui est un grand défenseur de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat dans la santé. Et tu sais que, Mario, Très rapidement, Adrien. Tu sais qu'au Québec, on est la province, dans tout le Canada, on est la province où on veut plus augmenter le privé en santé. C'est au Québec. Oui, mais c'est là qu'il y a le plus d'obstacles. Pardon? C'est là où il y a le plus d'obstacles, malheureusement. Oui, mais les gens en veulent plus, puis des gens comme Marc Lacroix, ils l'ont fait avec succès. Puis c'est des gens comme ça dont il faut qu'on s'inspire pour voir où va aller notre système de santé à l'avenir. Merci beaucoup, Adrien, mais on s'en reparle. Regarde, c'est pas demain le congrès, mais on s'en reparle. Merci beaucoup. Allez, merci, bye-bye. Okay, bye. Congrès, donc, du Parti